Salam alaikum, Azur Villawan, bonjour. Obama et Ban Ki-moon ne bougent pas une oreille pendant que le terrorisme sioniste massacre des centaines de civils, dont un grand nombre d'enfants et de femmes. À ce jour, près de 1700 morts et environ 9000 blessés, dont nombreux sont affreusement mutilés, dont des centaines resteront handicapés à vie. Le président des USA et le secrétaire général des Nations Unies, censés être des gens qui pèsent, font les morts. Ou alors, ils appellent les deux parties à préserver la vie des civils, comme s'il était question de deux belligérants d'égale puissance. Et même avec ça, il n'y a pas une seule de leurs interventions où ils ne précisent pas, avec force geste, comme s'ils obéissaient à leur plus intime conviction, que leur cher Israël a le droit de riposter aux agressions du Hamas, le mouvement terroriste, comme ils disent. Israël, qui avait décrété unilatéralement une trêve il y a quelques jours, l'a rompue sans prévenir, pour commettre un massacre dans un marché populaire en plein jour. Obama et Ban Ki-moon ne bougent pas une oreille. Or, hier, un soldat israélien est porté disparu à la frontière de Gaza avec l'Égypte. On ne sait d'ailleurs même pas s'il a été enlevé, ni qui l'a enlevé, ni si vraiment il a été enlevé. Mais Obama et Ban Ki-moon et de nombreux dirigeants occidentaux dénoncent avec vigueur cet enlèvement supposé. Obama parle même de barbarie. C'est à devenir dingue. 1700 Palestiniens assassinés, hachés menus, réduits en charpie, dans des bombardements qui n'épargnent personne, et par des snipers sionistes qui tirent sur des secouristes. C'est filmé. C'est sur YouTube, vous pouvez aller voir. Et personne ne dit mot. Et un seul soldat israélien disparaît. Un soldat pourtant, pas un civil. Un soldat qui fait partie de ceux qui massacrent les civils. Et c'est l'émoi parmi les dirigeants occidentaux les plus puissants. Et c'est l'émoi de celui censé représenter toutes les nations du monde. On croirait que les Palestiniens viennent d'assassiner 1700 civils israéliens et de faire 9000 blessés israéliens, dont des centaines de bébés. Et ce sont ces mêmes chefs d'État qui plient les chines devant le maître sioniste qui viennent nous gaver de leur redondante profession de foi démocratique, qui bavassent interminablement sur les droits de l'homme, sur le devoir de résistance à l'oppression, et patati, et patata. Ils savent pourtant que nous ne sommes plus dupes, que nous ne sommes plus ces masses imbéciles qu'ils ont ballottées comme ils veulent, que nous sommes de plus en plus nombreux à avoir découvert que tous leurs discours mielleux ne sont que mensonges et hantés, que leur démocratie n'est qu'illusion, que c'est l'argent et le sionisme qui dirigent le monde, que ce ne sont pas les peuples occidentaux qui élisent leurs dirigeants, mais que ce sont les lobbies sionistes et ceux qui leur sont inféodés, qui décident qui sera élu et qui ne le sera pas. La surenchère zélée en France entre le président de la République et le Premier ministre pour qui soutient le plus Israël, et là pour le montrer, parce que M. Hollande sait que M. Valls va se présenter aux futures élections. Alors il ne pense pas à l'opinion française, ce qu'elle pense ou ce qu'elle ne pense pas de ses attitudes et de ses prises de position. Ce qui le compte pour lui, il le sait. Ce qui est décisif dans sa future réélection ou non, c'est ce que voudra le lobby sioniste. Et c'est pour ça qu'il fait tant de zèle. Ces gens donc, ces occidentaux, ces dirigeants, ils savent que nous savons, mais ils continuent de nous mentir avec des trémolos dans la voix, la main sur le cœur,
même ceux qui savent qu'ils ne seront pas réélus, de toute façon, comme Obama, continuent de s'aplatir devant le maître, parce qu'ils en coûtent, ils savent ce qu'il en coûte de secouer le joug de la servilité. Des scandales leur pendent tous au nez, qui seraient tout aussitôt révélés par les médias du monde, presque tous incarcérés dans la logique sioniste, si jamais ils branchent. Le monde entier est sous le joug, donc, de toute façon. Celui des Palestiniens ne se voit plus que parce que c'est dans leur terre que le sionisme a décidé d'installer sa villégiature. Et leur malheur aux Palestiniens, c'est de ne pas être tous partis ailleurs. Ceux qui ont résisté à l'indicible terreur ont fini par être enfermés dans d'étroits bantoustans, de petites parcelles de terre, où ils ont été confinés, où ils sont en prison, où ils sont régulièrement massacrés. Mais les Palestiniens n'ont pas que cet ennemi, celui qui donne des ordres aux dirigeants les plus puissants de la planète. Ils ont aussi contre eux ceux qui se disent leurs frères. Ils n'ont de pire ennemi que cela. Jusqu'à l'Égypte, jusqu'à la Jordanie, jusqu'à la Saoudie, et tellement d'autres qui font semblant de les pleurer, comme ce fut le cas du régime algérien, qui a eu l'indécence de décréter une minute de silence. Une minute. Et cinq minutes d'arrêt de travail. Oui, vous avez bien entendu. 5 minutes d'arrêt de travail. Une éternité. Comme si ce pays, où presque personne ne travaille, était à 5 minutes près. Israël va trembler. 5 minutes d'arrêt de travail, vous imaginez? La terrifiante réaction d'Alger, punaise, mais vraiment. Avec nous aujourd'hui, pour en parler, j'ai voulu inviter des parents de disparus algériens pendant la décennie rouge. Parce que je sais combien ces âmes sensibles vivent l'atroce situation de la Palestine. Parce qu'ils savent combien l'oppression est cruelle, combien amère, et la solitude des victimes face à la puissance de leurs bourreaux. Aujourd'hui, 20 minutes, la Maison-Blanche dénonce une violation barbare du cessez-le-feu par le Hamas. La Voix du Nord, Ban Ki-moon demande la libération immédiate du soldat israélien enlevé. Le Monde, une nouvelle particulièrement réjouissante, un symbole. Alors, titre du Monde, à Gaza, des quadruplés naissent sous les bombes. Avec nous, Wassila Ballatrach, membre fondateur de RAF des Sœurs de Disparus, Hassan Farhati, représentant SOS Disparus, Oum Aziz, maire de Disparus. Wassila Ballatrach, merci d'avoir encore une fois accepter notre invitation. Merci encore une fois à vous de nous prêter cette chance de parler justement et de dénoncer les crimes du sionisme. Eh bien, ne vous en privez pas, ma chère Wassila. Dites-nous donc ce que vous pensez de, non seulement des crimes des terroristes sionistes, mais de la réaction de M. Obama qui qualifie la disparition du soldat israélien, bon, pour ne pas dire sioniste, de barbarie. Ben justement, on n'est pas surpris ni de la réaction d'Obama, ni celle de Ban Ki-moon, ni des présidents occidentaux, comme vous venez de le dire, finalement, qu'ils sont eux aussi pas élus démocratiquement, mais plutôt soutenus par les lobbies juifs. Nous dénonçons par contre le silence cruel des présidents et des monarchies arabes et dites qui se disent musulmans, de surcroît. Ils se taisent parce que eux aussi ne sont pas élus. Et non seulement ils ne sont pas élus, mais eux aussi ont participé au massacre de leur peuple. Ici, en Algérie, le président algérien n'a plus cette voix. Il n'est plus Houari, malgré que Houari Boumediene aussi a fait beaucoup de gaffes, mais au moins il avait le courage et était capable de justement lever la voix contre ces états criminels. Aujourd'hui, l'Algérie est dans une position très faible, donc elle ne peut pas crier haut et fort, bien que nous avons fait une minute de silence. Je crois que tout l'État israélien s'est tremblé de cette minute de silence. Aussi, pour le reste des pays, des présidents, tous ont participé au massacre de leur peuple.
ce n'est pas Sisi qui va créer ou qui va dénoncer les crimes perpétrés en Israël, alors que lui-même a participé dans l'assassinat de 4000 Égyptiens. Donc nous n'attendons rien de cet Occident, encore moins de nos gouvernants, mais par contre, nous espérons que justement, comme vous venez de le dire, l'éveil de l'opinion publique occidentale qui va justement briser ce mur de silence et va crier à cette terreur. Restez avec nous, Wassila, restez avec nous. Oum Aziz, merci de nous avoir rejoints encore une fois. Aïd Mabrouk. Merci, Aïd Mabrouk. Merci pour l'invitation, monsieur Djamel. Merci, merci Oum Aziz. C'est nous qui vous remercions. Alors, dites-nous votre sentiment face à cette... Moi, j'ai tenu à vous inviter. J'ai vraiment vous insisté pour que vous soyez des nôtres parce que je connais votre sensibilité et je connais votre douleur. Et je sais que vous avez ressenti beaucoup de douleur face à ce qui se passe en Palestine. Oui, absolument, monsieur Djamel. Vous savez que vraiment, avant d'intervenir et de répondre à votre question, je présente mes condoléances à tous les Palestiniens et les Gazaouis, et je leur dis que on est solidaires avec vous et on est de tout cœur avec vous. On prie nuit et jour pour que tout... Je voudrais bien, je sais que c'est peut-être... Ça se fait pas, mais je voudrais bien que fermer les yeux et les ouvrir et trouver que tout rentre dans l'ordre. Inch'Allah, Inch'Allah. Espérons que ça finira par arriver un jour. Il faut y croire. Inch'Allah. Vous savez, oui. Madame Oumazi, je vais vous dire une chose. La France, en 1930, quand elle a fêté le centenaire, je l'ai déjà dit dans une émission précédente, à ce moment-là, personne ne croyait que l'Algérie deviendrait un jour indépendante. Même les Algériens, même les leaders algériens de cette époque, personne ne prononçait le mot indépendance. Tout le monde, dans le meilleur des cas, ne souhaitait que l'assimilation à la pleine citoyenneté française. Il était inimaginable qu'un jour, la France partirait et que les Algériens retrouvent la... espérant qu'ils la retrouveront vraiment un jour, la pleine souveraineté sur leur pays. En tout cas, la France coloniale est partie. Et donc, il ne faut pas croire que la fatalité sioniste ne sera pas levée un jour. Il faut continuer d'espérer. Oui. Mais je vous en prie, poursuivez, Madame Oum Aziz. Oui, alors, je vous disais que nous, on est vraiment solidaires avec les Gazaouis. Et vous savez, ce qui se passe à Gaza, nous... ça éveille en nous des plaies qui ne sont pas encore cicatrisées. Donc, avoir ces atrocités, avoir tout ce qui se passe, ça tourne le couteau dans la plaie. Voilà. Donc, nous, on va dire que, vous savez, regardez les Israéliens. Pour un seul soldat, ils sont en train de faire des pieds et des mains ou qui mettent le blardia quand le tibnia ou elle est correcte. Alors, imaginez-vous, nous, bon, moi, je parlerai beaucoup plus du problème des disparus. Nous avons perdu 20 000 disparus entre guillemets enlevés. Oui. Et c'était le chaos. Personne ne voulait en parler. Et quand on soulevait le problème de nos disparus, qu'est-ce qu'ils nous disaient? Ils nous disaient, soit ils sont montés au maquis, soit ils ont rejoint le maquis, soit ils sont partis à l'étranger. Comme si que les nôtres qui sont partis à l'étranger, on aurait bien souhaité, hein, et qu'ils gardent la vie. Même moi, j'aurais bien aimé que mon fils serait parti à l'étranger et qu'il serait toujours en vie et que je le contacte et j'ai de ses nouvelles. Et c'est pour ça, madame. Madame Oum Aziz, madame Oum Aziz, c'est pour ça que j'ai tenu à inviter les disparus, parce que vous vivez la même chose. Aujourd'hui, les Palestiniens, ils sont face à des bourreaux tout puissants
qui ne leur permettent pas de s'exprimer et qui ne permettent pas à la réalité, à la vérité d'apparaître en tant que telle. Vous, vous avez vécu la même chose. On vous a enlevé vos enfants, on les a enlevés, ils ne veulent pas en parler, on sait qu'ils les ont enlevés, mais vous ne pouviez rien faire parce qu'ils étaient tout puissants et parce que l'Occident était complice avec eux dans ce qu'ils ont perpétré de crimes et d'enlèvements et de tortures et j'en passe. Mais restez avec nous, Oum Aziz. Hassan Farhati, merci de nous avoir rejoints. Merci à vous. Merci. Au nom du famille des disparus, je vous salue. Je salue le combat qui mène nos frères et sœurs à Gaza. Et je vous dis merci pour cette intervention. Merci beaucoup. Merci à vous, M. Hassan. Merci à vous. Dites-moi, quel est l'état d'esprit qui règne au sein des familles de disparus en ce moment pour ce qui se passe en Palestine, pour ce qui se passe à Gaza? C'est quotidiennement, c'est tous les jours, c'est chaque rassemblement, c'est la discussion instantanée. On a oublié nos enfants. Je vous jure qu'on a oublié nos enfants. On parle de nos frères à Gaza, ce qui se passe actuellement à Gaza. Et je remercie avant d'oublier que les gens qui ont sorti pour être solidaires avec les frères de Gaza et nos amis de lutte qu'ils n'ont pas resté bras croisés comme se fait le notre pouvoir actuellement, qu'il fait simplement de dénoncer. Voilà ce que il faut dénoncer cette pratique de notre pouvoir et le pouvoir arabe aussi. Oui. Et pour revenir aux familles des disparus, nous, ce que te dit ma mère, elle me dit tous les jours, s'il y a quelqu'un qui est mort, c'est sa mère qui me fait le chagrin. Yani, donc, parce qu'elle sait, elle, ce qu'elle souffre actuellement pendant presque maintenant, nous, ça fait presque 16 ans, il y a d'autres presque 20 ans, 21 ans. Donc, on souffre avec eux, on les soutient de tout cœur avec eux, on est tout cœur avec eux, jusqu'au bout, Inch'Allah. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Un dernier mot que vous voulez envoyer, un message que vous voulez envoyer aux gens de Gaza, je vous en prie. Je leur dis, ne vous faites pas, tous les peuples arabes sont avec vous. Pas les gens du gouvernement, mais les peuples arabes sont avec leurs frères de Gaza. Nous, les familles disparues, on les soutient de cœur, on est toujours avec eux jusqu'au bout, Inch'Allah. Merci, Zia Hassan. Oum Aziz, un message pour les Palestiniens? Moi, je leur dirai à mes frères et sœurs palestiniens, continuez, ne baissez pas les bras, ou même la donne, le haq la alay. Voilà. Merci Oum Aziz. Wassila Ballatrach, un dernier message aux Palestiniens de Gaza. Les Palestiniens, il faut les saluer. Je leur dirai que c'est maintenant que vous êtes en train de marcher sur la route qui vous mènera vers la liberté. Continuez, offrez autant de personnes qu'il faut pour arracher cette liberté. Une liberté ne s'offre pas, elle s'arrache, comme fut le cas pour notre pays. C'est avec du sang, c'est avec le combat, c'est avec la résistance qu'on a pu obtenir notre liberté. Donc, continuez votre résistance, vous réussirez un jour, bi'idnillah. Et au régime algérien qui a décidé d'observer 5 minutes d'arrêt de travail en protestation contre les crimes sionistes, qu'est-ce que vous lui dites? Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Honte à ce système qui nous a justement... nous avons honte d'avoir vécu cette époque, de vivre sous ce système. Nous sommes si gênés, nous ne savons plus quoi dire. Ce système, M. Bouteflika, messieurs les généraux, honte à vous. Vous ne représentez pas l'Algérie de 1 million et demi de martyrs. C'est dommage pour vous. Wassila Ballatrach, merci beaucoup. Oum Aziz, merci beaucoup. Hassan Farhati, merci beaucoup. En espérant vous revoir bientôt. Les Palestiniens continuent de mourir, d'être déchiquetés par les bombes israéliennes, d'être pris en cible par des snipers
qui tirent sur des secouristes. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les vidéos existent, elles circulent sur les réseaux sociaux. Les puissants de ce monde se taisent ou appellent les deux parties à plus de réserve lorsqu'ils ne condamnent pas le terrorisme du Hamas, comme ils disent, lorsqu'ils ne reconnaissent pas le droit d'Israël à riposter et d'assurer une légitime défense. Les Palestiniens en sont là, mais comme nous le constatons tous, depuis tant d'années, depuis tant de souffrances, les Palestiniens continuent de vivre debout, continuent de résister, continuent de rêver à une Palestine retrouvée, à une Palestine qu'ils retrouveront sans aucun doute. Nous le jurons qu'ils la retrouveront, la Palestine. Cette émission est maintenant terminée. Azul fillah wa salam alaykoum. À demain, inshallah.